Wesh YouTube, ici Gazg pour la chaîne Gazgenkleid. Voilà, une fois de plus, je ne sais pas le prononcer. Et on se retrouve aujourd'hui sur, vous l'aurez deviné, Hearthstone. On va faire le nouveau bras de fer que je ne connais pas encore. Donc, certes, il était, on pouvait le faire hier, mais moi, je fais aujourd'hui bah les couilles. Donc. Les... Je sais plus comment ça se dit en français, les divas font un show spécial. Ah oui, c'est un jeu de mots, ouais. Les médivas font un show spécial et vous en êtes la star. Invoquez des serviteurs avec différents portails pour créer une bien meilleure performance. Ok, donc ça a l'air parti d'être une bataille de portail. C'est un peu de la merde, c'est ça. Enfin, le bataille de portail, c'est très vite fait marrant, mais c'est full random, donc c'est relou. Parfois, t'as pas de chat, t'es obligé de faire 5 bras de fer pour avoir ton paquet. Donc, on espère ne pas être maudit. Ah, Medivh contre Medivh. C'est trop drôle la manière dont tu dis Medivh. Medivh! Ah non! Ah non, il est diff. Ah oui, d'accord, oui, c'est vrai que l'extension met des nouveaux portails. D'accord, stylé. On va garder ces deux portails-là. Puis on va relancer celui-là, on va en garder un. Je connais pas vraiment les portails, donc on va voir les autres qu'il y a dans le deck. Ouais, d'accord. D'accord, ok. Je suis juste que l'animal doit être bien sûr, je crois. Qu'est-ce qui se passe là? Oh, trop stylé, qu'est-ce que c'est que ça? Les portails coûtent un de moins. Ne compte pas comme un mignon, donc ça doit pas pouvoir être tuable. Et les portails coûtent un de moins. Pas mal. Bon, bah, fin du tour. Ah, c'est sympa comme idée en fait, comme il y a différents bras de fer. Ok, bon après ça reste. Bon, c'est un peu moins du full random que juste des batailles de bras de fer, parce que ça on peut cibler des serviteurs, etc. Maman. D'accord. Lol. Vous voyez pourquoi je n'aime pas les batailles de portail. Et en plus, ce gros bâtard troll. Ah, bah ça par exemple. Le problème, c'est que si je fais ça, il peut me tuer quand même derrière. Bon. On veut choper un autre portail. Ok. Voilà, donc ça, ce sera pas mal. On pourra jouer celui-là au prochain tour en espérant qu'il s'empale dedans. Et voilà. Ah bah non, parce que du coup, on pourra pas prendre les... Après, elle dit watch out. Elle pourrait faire quelque chose plutôt que juste dire watch out. Gentille, elle. Ok. Bon, ça reste d'être perdu, hein. En même temps. Ok, bon, on va... faire ça, on va mettre un mignon sur le terrain parce que là il nous faut du board, mais déjà là il peut nous mettre à pas beaucoup, donc c'est mal barré. Ça fait quoi? Gain 4, ok. Ah, oh, qu'est-ce que c'est que ça? Partie portail. Ah, attends, stylé. Simon random partie go. Ah, stylé. En vrai, tu le. Ah, c'est ça entre autres l'intérêt de cette carte. Bon, ok. Bon. De toute façon, même si j'avais joué lui là au tour d'avant, j'ai oublié son nom, c'était mort. Comment il s'appelle déjà? Ah, d'ailleurs, on peut. Ah, bah oui, non, c'est normal. Comment il s'appelle déjà? La SAC 2 là. Vol'jin. Il s'appelle Vol'jin. Medivh. Ah, il y a deux manières de dire Medivh. Ça a changé. Tout à l'heure, il a dit deux fois Medivh. Donc là, il y a deux manières de dire. Stylé, stylé. Ok. Ah, bah écoute, on va garder ça parce que si ça met une 3. Enfin, bon, je crois qu'il y en a d'autres. Mais bon, pour l'instant, on avait une 3-6 stone. Pour 3 de mana, c'est plutôt worse. On rappelle que le Senjin c'est 3-5 tonnes pour 4 de mana, donc 1 mana de moins, 1 PV de plus.
It seems kind of worth. Ah, et ça coûte 2 de mana. Ça compte... Ah bah oui, c'est un portail. Ok. Oh. Enfin, ça va, j'ai pas mal de la chatte. Voilà. Ça fait plaisir. Pardon, désolé. Petit docteur Boom. Ça faisait longtemps ça que je l'avais pas vu celui-là. Allez, party goer. Encore lui. Bon, je sais pas combien il en a. Mais si c'est random et que c'est toujours le même, c'est un mime. Ah. Il est trop cool. Il est trop stylé son design. Bon, il est très puissant pour un mime, mais. Qu'est-ce que tu veux. Par contre, s'ils disent qu'il compte pas comme un minion. Je me demande si on peut mettre 6 créatures sur le board ou 7. Du coup. À mon avis, 7, je pense pas qu'ils vont nous faire dépasser du terrain. Alors peut-être que ça là-dessus. On verra. On verra. Donc, comment il s'appelle? Suzy Sizzlesong. Et Wanda Wonderwolf. Ouais, c'est stylé. Ok, alors là. Là, c'est quand même en bêta. On va faire ça. Ouais, bon, bah, on va le mettre du coup. Et on va summon random party goer. Qu'est-ce? At the end of your turn, restore 5 health to your hero. Ok. Bah, bat un peu les couilles, hein. Mais. Il n'y en a pas besoin pour l'instant. Mais ok, c'est stylé. C'est stylé. Ah, il est vraiment trop cool comme maintien. Vraiment marrant. Bien plus marrant qu'une simple bataille de portail. Même si ça reste quand même pas mal de chats. Ok. Ok, probablement la meilleure. Ok. Well played. Je vais pas pouvoir le tuer. Si, je peux le tuer. Alors en fait, je vais clean le board. Hein. Bam! Très bien. Bon, c'est pas le meilleur tour 1. Après, c'est pas non plus forcément le pire. Bon, n'empêche, la tentacule m'embête. Voilà pourquoi elle m'embête. Ok, au moins ça tue son tour 1. Summon Random Party Goer. Et oh, un nouveau. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il y en a deux? Oula, what? What? Don't come. Oui, parler. What? Ok, donc là, vous vous en doutez, je regrette. Je regrette quand même l'utilisation de mes deux trucs qui ont fait un dégât au tour d'avant. Tant pis, on a Boom. Ça nous met pas mal. Plutôt fort, Boom. Là, on a ça pour jouer une créature un peu puissante, ok. Ouais. Ouais. Un truc pas trop fort. Ok. Plutôt fort, mais ok. Non. Tu l'as. Yes. Alors là. Ah. Intéressant. Alors, bon allez, il va pas quand même taper et faire un point de dégâts. Ok. Boum. Watch out. C'est quoi ça, pas quand on met des gros coups qu'elle dit ça? Ah, ça rend stylé comme bras de fer. C'est stylé. Je me demande si on a vu tous les parties goer ou s'il y en a d'autres. Ouais, pas mal. Ok, probablement le pire truc qu'il aurait pu avoir. Ouais. On va invoquer un random party goer. Ok, encore le mime. Ah, il sort souvent quand même le mime. Hein. Ok, c'est de la merde. On s'en fout, on cligne pas, hein. Il a pas de... Il n'y a pas de niveau 10 quoi. De monstre niveau 10. Putain, pas niveau 10. À 10 de mana. Enfin, je pense pas, hein.
Ah bon? Ah non, oui, d'accord, c'est juste qu'il a pioché, il y a eu la superposition des effets. Ok, c'est bon. Ouais. Mickey versus Mickey! Rien que pour ça, je pense que c'est le meilleur bras de fer du monde. Non, évidemment, c'est pas le meilleur bras de fer du monde. Il y a eu beaucoup, il y a eu le truc d'Hurlevent, je l'ai vu sur YouTube, j'ai raté, j'ai pas pu y jouer. Du coup, je suis vraiment deg. L'attaque de Hurlevent a été mais vraiment hyper stylée. Bon, je sais pas trop ce qu'il espère. Le mec a pas trop de chance, il se tape des tours 3, mais des tours 6 dégueulasses. À sa place, je rentrerai. Oh, une nouvelle! Qu'est-ce que c'est que ça? LOL! C'est trop fort! Bon, j'ai pas le meilleur tour 5 non plus, hein. Putain, c'est trop fort! Ah, le mec! Du coup, il ne meurt pas. Bon. Bon, on va voir, hein. Ouais. Ah, il arrive à résister, hein. Il arrive à résister, le bougre. Ouais. Oh putain. Il ne veut pas mourir. Meilleur tour 4. Bon, le pauvre, il s'est vraiment pas tapé les meilleurs trucs, hein. Bon, je pense que là, on a gagné. Bon, c'est pas le meilleur tour 4 non plus, hein. Attends, on a toujours pas gagné. C'est loin d'être le meilleur tour 4 également. Bon, après, ce pauvre bonhomme est quand même très mal en face. Ok. Oui, il est toujours favor. Ah, ça, c'est pas mal pour lui. Oh le bâtard! Mais non, mais fais pas ça! Mais qu'est-ce que t'as fait? Ouais. C'est. Qu'est-ce qu'il l'a envoyé sur là? Ouais, c'est bien ça. Donc bon, le mec a très mal joué en face. Bon, après, ce n'est qu'un bras de fer, hein. Bon, par contre, je me suis fait défoncer par ce dégât des sorts. J'avais pas fait attention en fait et pensé que en face il y avait du dégât des sorts. Gars, ce que je vais faire, c'est tuer cette créature qui déjà a 4 points d'attaque, donc c'est fort, et qui surtout le fait piocher. Du coup, je suis loin d'être sorti d'affaire. Je suis loin d'être sorti d'affaire. Alors, je pense qu'il y a mon gros bolos de frère qui est enfermé en bas et qui, du coup, est en train d'appeler pour que je vienne lui ouvrir. Et ben, il va attendre que je finisse ma vidéo. Voilà. Putain, il va me tuer. Il va me tuer, boum. Du coup, je n'ai toujours pas gagné. Beaucoup trop long, là. Beaucoup trop long. Ouais. Ok, vas-y, un truc fort. Ouais, je sais pas si c'est fort, hein. On va clean un peu. Bim, 2 points de dégâts d'intrigal. Bon, ceci dit, il essaye pas de rappeler, donc c'est peut-être pas qu'il est enfermé en bas. Je vais le rappeler vite fait, hein, désolé. Juste pour voir. Bah moins. Bah. Mais c'est que dalle, c'est des millisecondes. Je sais rien, moi je m'y connais pas vraiment en écran. C'est rien, t'as le pixel sur l'écran.
Ah non, pas trop. Bah, demande aux vendeurs, ils sont là pour ça, hein. Super utile. Bah évidemment que ce coûte plus cher. Salut. Eh bien c'était pour poser des questions sur l'achat d'un écran. Alors vous voyez pourquoi je n'aime pas les batailles de portail, et qu'au début de cette vidéo j'ai dit que c'était de la merde. Bon alors je sais aussi que j'ai dit que c'était le meilleur bras de fer du monde, mais en vrai c'était pour rigoler. Parce que c'est de la merde, c'est beaucoup trop random. Ok super, deux fois le même. C'est beaucoup trop random, et le mec, je l'explosais. Il a juste chaté sur le truc qui, comme par hasard, fait que je ne le tue pas à ce tour-là. Et derrière, bah voilà. Et puis voilà, il se chope Miouz. Et maintenant, ce bonhomme chatte. Alors autant avant, c'était l'inverse. Enfin voilà, parce que c'est complètement random. Et donc c'est renou. J'en suis à ma deuxième game pour avoir mon paquet. Je vais devoir en faire 5000. Et puis en plus, j'ai tiré le mauvais portail au mauvais moment. J'ai pas pu bénéficier de mon heal. Super. On va ping ça, on va tuer ça, on n'a pas trop le choix. Il faut juste. L'avantage, c'est que il a pioché plus de cartes, donc il est plus proche de la fatigue que moi. J'ai enfin réussi à peu près clean son board. Oh, il a grave chaté sur l'Extraza aussi. Hein. Je viens de me rappeler, c'est vrai qu'il a eu l'Extraza. Donc ça commence à se stabiliser un peu. Je vais pouvoir lui tuer Miouz. Donc bon. On va peut-être gagner quand même. On va surtout pas lui faire piocher sa carte. Hein. On va le laisser éventuellement lui dépenser de mana pour la piocher. Voilà, après, comme ça. Ok, j'aurais peut-être dû du coup. Du coup, j'aurais peut-être dû. Enfin, du coup, j'aurais dû, mais bon... Je vais pas savoir qu'elle est tirée phare. Je l'ai pas tirée une seule fois à tous les coups. Je vais la tirer cette carte. Le +2/+2 quand j'aurai plus aucun mignon. Ok, super. Bon, heureusement, il n'y a pas beaucoup de dégâts sur le board. Oh, oh là là, mais c'est pas possible. Bon, les gens. Les amis. Merde, qu'est-ce qu'il dit exactement? J'ai bien peur que c'est la fin. Bilbo. Serzana, je me souviens plus. Allez, Eldemort. Ah, c'est formidable! Ça, c'est une très bonne carte tout de même. N'est-il pas? Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise aussi? Ah bon, on va partir sur une troisième. Mais c'est sérieux. Mais quel tryharder, c'est bon, tu m'exploses mon gars. T'as pas besoin de tryhard comme ça. Finis cette game. Bref, de toute façon, je vais pas refaire de game. Enfin, je vais refaire une game après, mais ça sert à rien que je la mette dans la vidéo. Parce que là, vu comme la game a été longue, c'est bon, on a fait le tour du bras de fer. Donc voilà. En tout cas, c'est un bras de fer. Bon, c'est un bras de fer marrant, même si. Je pense toujours que les batailles de portail, c'est vraiment de la merde. Parce que. Ah, bah du coup, comme lui, je chatte un peu. Même si je pense toujours que les batailles de portail. C'est de la grosse merde parce que c'est full chat. Donc ça se trouve, là je vais gagner parce qu'il va pas pouvoir attaquer. Et je vais peut-être pouvoir gagner grâce à mon Leroy. Je sais pas trop. Ah bah non, du coup, il est parti pour le tuer. Ok, c'est super. Ah, on peut le mettre face. Du coup, j'ai peut-être mis létal un peu plus tôt dans la vidéo. Je vais faire attention. Enfin bref, quel que soit, les batailles de portail. Les batailles de portail, c'est marrant. Mais c'est quand même bien de la merde. Quand on veut juste gagner pour gagner un paquet. Donc bref, en tout cas, bon, c'est un bras de fer à peu près marrant, mais c'est loin d'être le meilleur. Voilà. Bref,
Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Moi, je retourne faire mes 5000 parties de bataille de bras de fer de portail pour espérer gagner mon paquet. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Il y en a une qui arrive sur Heroes of the Storm, sur la nouvelle map qui n'est pas encore sortie, qui va sortir, je vous l'upload ce soir ou demain. J'attends juste ma miniature de l'esclave qui doit me faire ma miniature pour poster la vidéo. Et dès que j'ai la miniature, je poste cette vidéo. Voilà, merci à tous et à bientôt. Salut.